Hymnes nationaux et costumes folkloriques portés par les jeunes gens et jeunes filles d'origine polonaise de Méricourt. C'était samedi à Lens avec la présentation des deux équipes France et Pologne. Les Français, maillot bleu, les Polonais, maillot blanc. À la question des journalistes réunis après le match autour de Gorski, l'entraîneur polonais, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? L'entraîneur devait répondre Six, faisant hommage ainsi aux Valenciennois qui d'entrée su s'adapter et se mélanger aux grands du football français. Des démarrages, des 1-2 avec le capitaine Larquet, et les Français devaient marquer après 12 minutes de jeu. On voit ici Guillou, porteur du ballon. Guillou qui sera remplacé au cours de la deuxième mi-temps par Bouzdira. C'est un mini-corner, un coup franc, qui a permis ce premier but français, marqué de la tête, ici, par Pintena, l'avant-centre sochalien. On voit dans le fond Larquet qui vient de tirer le coup franc et qui arrive pour féliciter le joueur sochalien, mais le premier sera le Valenciennois, Didier Six. 1-0, on revoit ce but. C'était d'ailleurs le score à la fin des 45 premières minutes. Il y avait 15 000 spectateurs samedi soir à Bollard. Deuxième mi-temps, les Français engagent. Les Polonais ont fait rentrer Berminger, le numéro 14. Et un garçon chez les Polonais aura beaucoup d'occasions au cours de la deuxième mi-temps. Le voilà, c'est le numéro 10, Zarmak. Mais il tirera souvent à côté de la tête, mettra ses ballons hors de la cage de l'excellent Baratelli. Et c'est Didier Six qui, dans un instant, va amener le but de la victoire. Car ce n'est pas un Français qui, comme on l'a dit, Revelli a marqué. C'est plutôt Wawrowski, que vous allez voir dans un instant, porteur du ballon, qui a détourné contre son camp. Voilà Wawrowski, le numéro 4 polonais, devant Jean-Michel Larquet. 1-0, tout était encore possible. Dena, l'avant-centre, qui a donné sur le côté droit. Mais ici, le contre, Six déborde, il centre et Wawrowski, du pied droit, trompe son gardien de but, Burzynski. C'est le deuxième but français, c'est le deuxième but du match. Score final, 2-0. Et bravo à Didier Six, nous revoyons son centre. Et le but de Wawrowski. Souhaitons longue carrière à Six le Valenciennois.